Bon, la Chine, bonjour. En fait, j'attendais ce jour-là pour dire certaines vérités à tous les acteurs du coupé décalé. Je ne serai pas long. Je vais juste prendre 10 minutes de votre temps pour vous expliquer un constat que j'ai fait depuis le décès de Daesh Igan, dit DJ Arafat. Aujourd'hui, particulièrement pour moi, en fait, j'ai pas envie de serrer la main des hypocrites, en fait. J'ai pas envie de parler à ces hypocrites du vivant d'Arafat qui ont fait croire à Arafat et au monde entier qu'ils étaient chinois, en fait. Or, au fond d'eux, ils n'ont jamais été chinois et ils seront jamais chinois. Aujourd'hui, on voit tout le monde qui est en train de partager des photos à la mémoire de DJ Arafat. C'est bien beau. Mais il y a une tonne d'hypocrites dedans là. Il faut que moi, ils disent la vérité. Je m'adresse aux acteurs du coupé décalé. Le reste, là, on s'en fout. Les acteurs du coupé décalé. Moi, je me rappelle très bien ici. Hein, pour ceux qui ont suivi les nombreuses classes de Daesh Igan, ils étaient dedans. C'est que nous, là, on nous a insultés à cause d'Arafat. On nous a menacés à cause d'Arafat. Parce qu'on l'aimait. On l'a pris comme ça. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Donc, son bon et son mauvais côté, nous, on a pris ça. On nous a insulté les mecs ici. Les babiers, les fils de pute, et j'en passe. Parce qu'on aimait notre artiste. Avec ses nombreuses fracs, on l'a aimé comme ça. C'est comme ça qu'il est. Et c'est comme ça qu'il est parti. C'est comme ça qu'on l'a aimé. Donc, nous, là, on peut dire oui. On est des vrais Chinois. Parce qu'on a pris des balles, des vraies insultes, des menaces pour lui. Aujourd'hui, les acteurs du coupé décalé. Je parle de tous les acteurs du coupé décalé. Le reste, là, ce n'est pas mon problème. Eux, là, je ne sais pas, un autre jour. Mais aujourd'hui, là, les acteurs du coupé décalé, la bande d'hypocrites aujourd'hui, qui sont là, ouais, repose en paix Daesh Igan, on est chinois. Vous êtes chinois depuis quand? Les vrais acteurs du coupé décalé, là, on sait qui est chinois, on sait qui n'est pas chinois, on sait qui a été chinois, on sait qui n'a jamais été chinois, on sait qui est hypocrite. Mais je ne dirai pas vos noms. Mais je vous dis un message très, très limpide. Les acteurs du coupé décalé. Moi, je me rappelle très bien de son vivant Arafat. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Au vivant de DJ Arafat, là, c'est-à-dire que c'est Arafat qui vous permettait de travailler. C'est grâce à Arafat que le coupé décalé, depuis la création de Feu Doug Saga, que Arafat a récupéré le coupé décalé, il a façonné le coupé décalé, il a mené le coupé décalé à un niveau où personne ne s'y attendait. Parce qu'après le décès de Feu Doug Saga, personne ne croyait que le coupé décalé allait se relever. Arafat, lui seul, lui seul, lui seul. Il a porté le coupé décalé sur ses épaules. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qui l'a pas insulté? Qui l'a pas maudit? Qui l'a pas vilipendé? Qui l'a pas traité de sorcier? Je parle des acteurs du coupé décalé. La population, les fans, ça c'est autre chose. Je parle même des acteurs du coupé décalé. On s'est vu dans de nombreuses soirées. On a entendu le bruit des couloirs. Et vous savez de quoi je parle, de qui je parle. Mais je ne dirai pas de nom. Parce que comme c'est des femmelettes, ils ne vont pas hésiter à aller porter plainte. Donc, on parle en parabole, mais je sais que ça va tomber dans vos oreilles. Du vivant d'Arafat ici, là, c'est qu'Arafat, merde, beau, vous partez travailler. Et ce fut un temps encore, on disait qu'Arafat,
empêche ses amis du coupé décalé d'évoluer. Arafat bloque la bénédiction de ses amis du coupé décalé. Arafat empêche certains artistes du coupé décalé d'évoluer, de prospérer, d'aller même en Europe faire des cachets, des concerts, tout ce qui va avec. Arafat maintient le coupé décalé à un seuil de nullité notoire. Arafat, en un mot, il bloque l'avancement et l'avancée du coupé décalé. Donc le jour Arafat n'est plus, le coupé décalé va avancer. Moi, je me rappelle très bien de ce discours-là. Aujourd'hui, là, depuis le décès d'Arafat, vous m'avez vu parler. Vous avez entendu Bravado à parler. Il n'a rien dit. Parce que moi, j'ai ma raison. J'attendais ce jour-là. Je comptais ça comme ça. 1, 2, 3, 4. Je comptais. Pour vous dire ma vérité aujourd'hui. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des hypocrites. Vous, les acteurs du coupé décalé. De son vivant, combien de featuring Arafat a sollicité? Vous avez tous refusé. Oh non, il est gonflé. Oh non, il est impoli. Oh non, il est arrogant. Aujourd'hui, ça se lève, ça fait des hommages. Hommage à Daichi. Hommage à Daichi. On t'a aimé, on est chinois. On ne savait pas qu'on était chinois, mais on est devenu chinois. Au fond de nous, on était chinois. Regardez-moi une des bandes d'hypocrites comme ça. Quand Arafat était vivant, il disait, les gars, venez, on va s'asseoir. On va se réconcilier afin de ramener le coupé décalé à un niveau interplanétaire. Moi, ça m'a fait très bien. Ça disait ici, oh, regarde, foutre là-bas. Pourquoi c'est Arafat? C'est toujours lui. C'est Jean, c'est lui le gros bras, c'est lui le roi. Pourquoi celui qui a organisé, puis nous, on est derrière. Nous, on n'est pas suivi, on n'est pas mouton. Je me rappelle très bien. Le mec qui décède net pour automatiquement. Bon, les gars, venez, aimons-nous vivants. Mais vous êtes mauvais, oh. Vous êtes mauvais, de. Dès que le gars est décédé net, bizarrement, aimons-nous vivants. Mais de son vivant, là, vous l'avez aimé? De son vivant, là, avez-vous aimé Didier Arafat? Aujourd'hui, vous venez faire hommage. Aujourd'hui, là, tout le monde met photo d'Arafat, tout le monde est offusqué, tout le monde est peiné. On connaît les vrais Chinois. On connaît les fakes. C'est pour ça que je m'adresse aux acteurs du coupé décalé. Depuis qu'Arafat est décédé là-haut, il n'y a plus concept. Il n'y a plus chanson. Vous vous ennuyez. Ils me diront le corona. Ah, oui. Ah, le corona. Ah, le fameux corona. Sinon, les vrais artistes là, les vrais artistes, on a vu ici, Aya Nakamura, un single. Jolie Nana, single interplanétaire. On a vu, hein. Caris, on a vu, il a fait 1 million de vues en combien d'heures là. On a vu les vrais artistes, ils ne parlent pas beaucoup. Les vrais artistes là, ils font un single et puis boum, ça s'envoie, ça décolle. Alors Nakamura, jolie nana, chanson, je ne sais pas comment on chante là. C'est qui est sûr? Buzz, interplanétaire. Caris, boum, c'est que les vrais artistes, les vrais chanteurs là, on les a vus pendant la pandémie. Mais vous, on dit corona, pou, il n'y a plus d'inspiration. Tout le monde dort. Au lieu de chanter, non, ils se plaignent que oui, les maquis et les bars sont fermés. Ok, il n'y a pas de problème. Mais Evo Méloman, les gens qui vous suivent là, ils font comment? Ils écoutent quoi? Les anciennes chansons? Bon, on dit ok, les bars, on peut ouvrir les bars, on peut se promener, faire les spectacles. Mais ça dort toujours. Depuis un an, ça dort. Il n'y a pas de concept. Le seul qui est sorti du lot, il nous a surpris, c'est Obams. On force pas. Faut les voir tous. Ouais, Obama, bravo et tout. Il a rehaussé le coupé décalé. Vous n'avez pas honte. Obama, c'était un danseur. Il s'est mis quelque part, il a frappé. Fou, on force pas. Faut voir les moutons qu'on dessus. Ouais, on force pas, on force. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous, des vieux poilus, barbus, testiculaires, pineux, poils dans le cul, dans les narines, vos narines directes là. Vous n'avez pas honte de vous. Corona a commencé, ok. Vous ne sentez plus. Vous ne sentez plus. Hein, vos classes farfelues à 2 balles qui n'ont ni queue ni tête. Au lieu de chanter, non, ils font concours de buzz sur Facebook. Vous ne sentez plus. Depuis la mort de Didier Arafat, depuis sa mort jusqu'à maintenant, il y a eu quel concept? Quel est l'artiste coupé, décalé qui a fait un morceau? On dit, ouais,
Tu as tué, ça a pris même. Ouais, ton son est dangereux, c'est mal chic, c'est nani nani na. C'est que le son même là, quand tu écoutes ça même là, tu as envie même de te suicider. Qui? Qui? Obama, ça fait un force pas. Corona a bloqué, ok. Lui, c'est un jeune, il apprend à venir, tranquille, on comprend. Mais vous, les douins testiculaires pineux qui avaient dit que c'est Arafat qui bloquait vos bénédictions là. Bon, vous êtes où? Le gars, il est parti. Le méchant là, il est mort. Le diable, il est parti. Le sorcier là, il est parti. La personne qui vous empêchait d'évoluer dans votre carrière là, Dieu l'a rappelé auprès de lui. Maintenant, on croyait que vraiment elle le soudait quand elle allait quitter ce monde des vivants. On pensait vraiment que le couple de Kala est parti à un niveau interplanétaire, continentalement parlant. Jusqu'à aux enfants, on entend que ouais, couple de Kala est en train de tuer sur la terre ici. Hein. Même Satan même sera en jaillé. Mais actuellement, tu appelles Satan. Alors, c'est comme quand il parle de couple de Kala, je vous parle la vérité. Tu prends ton téléphone, tu composes le numéro de Satan. 666. Alors, ouais. Satan, ça va. Mais elle est coupée des galets. Tu vas entendre que lui-même aux enfants, il écoute Zouglou. Tu vas comprendre que lui-même aux enfants, il écoute Zouglou. Dieu même l'a coupé des galets. Il a banni ça même de sa playlist. Coupé des galets, c'est mort. Il n'écoute plus coupé des galets. Mieux même, il écoute Zouglou. C'est. Ramba, je ne fais cash. Ramba, je ne fais. Même Ramba, Ramba. Hey, Ramba est fort, hein, Walaï. Moi, il me plaît bien. Ramba est trop fort. Dangereux. L'enfant, il est trop fort. Quand il parle, il fait ses punchlines, tu sais que c'est un enfant, mais il est dangereux, il a de l'avenir. Mais vous, les vieux pères, là, c'est comment? Arafat n'est plus là-haut. Nous, on vous regarde maintenant. On croit qu'on allait danser. Les concerts allaient sortir de partout. Les vrais sont sortis de partout. Mais bien au contraire, il faut les voir tous, s'ils dorment. Ils sont en mode dormation. Ils dorment. Inspiration est finie. Il n'y a plus rien dans leur gorge, il n'y a plus rien dans leur ventre. Et ils sont là, ils attendent Pépère le 12 août pour aller faire hommage. Alors c'est quand il est mort, vous savez chanter. Il faut les voir dans la lignée hommage sur hommage, hommage sur hommage. C'est quand ils sont vivants, on devait faire les featuring. Se mettre ensemble pour travailler ensemble et avancer ensemble, évoluer ensemble, relever le coupé décalé à un niveau où on ne pensait même pas atteindre. Bon, maintenant il est mort, on fait comment? C'est ça? On va où? On écoute quoi? Même Ramba Junior fait buzz. Ramba Junior. Zouglou maintenant fait buzz en Côte d'Ivoire. Isé, Isé. Fait buzz. Isé, Isé. Hé, hey, Côte d'Ivoire est tombé. Oh, Côte d'Ivoire est tombé. Isé, Isé fait buzz. Hé, hey, là, il est là. Tellement, il n'y a plus rien dans Coupé de Calais. Il n'y a plus rien. Coupé de Calais est vide. Coupé de Calais comme une maison inachevée, vide, poussière, toile d'araignée. C'est que même. Non, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et vous êtes là, ouais, on est dans Coupé de Calais. Vous faites quoi dans Coupé de Calais? Vous faites quoi? Laissez Iri. Vous n'avez plus d'inspiration, vous n'avez plus chanté, allez faire zouk. Parce que maintenant, là, vous venez faire un métier, là. Non, mais c'est les artistes comédiens, on fait nos vidéos collées, nos comédies, on fait, là. Vous êtes dedans aussi. Faut la voir TikTok. TikTok, il y a quoi? TikTok est devenu micro. Expliquez-moi votre délire là. Ils sont remplis sur TikTok. TikTok est devenu micro. On est dans les santé, tu fais vidéo drôle. Tu as changé de métier. Vous avez plus santé. Vous avez plus santé. Quoi TikTok, TikTok. Hey, TikTok c'est pour les comédiens. Sérieusement. À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des choses, on ne fait pas. Nous là, c'est pour nous TikTok. Mais il faut les voir TikTok. Une lettre à TikTok, il y a quoi? Allez, santé! C'est quoi? Oh, tu des hypocrites comme ça, ils sont là, oui. Hommage, hommage. Laissez le gars reposer en paix, il est parti, c'est fini. Tout ce qu'on peut faire pour lui là, c'est de prier pour lui, c'est fait. Fin du combat, c'est fini. Des hypocrites comme ça, il y a des monstres là. Même Ramba Junior, il chante mieux que vous. Ramba Junior fait une chanson, ça fait buzz, boum. Obama, buzz, boum. Mais les vieux pères du coupé de Kalilam, zéro. Zéro. Ils sont toujours en train de chercher Gombo avec leur vieille chanson de 1900 Towé. On est fatigué.
Ramenez le coupé décalé où Arafat a laissé là. Ramenez ça là-bas. Nous, on va continuer. Fin du débat. Faut les voir aujourd'hui là. Daesh Khan. Hommage à Daesh Khan. On est chinois. On a été chinois. On est fiers d'être chinois. Toi, tu es chinois où? Tu es chinois où? On connaît les chinois. On connaît les vrais chinois. Mais vos conneries, vous faites des gens, on est chinois. Et puis les gens qui se lèvent le matin, bon, il y a fait hommage à Arafat. C'est pas le nom du monsieur là. Vous allez prendre pour chercher votre argent. Hein. Arrêtez-moi ça aussi. Arrêtez. Tu vas sur YouTube, tu tapes hommage à Arafat. Il y a au moins 14 milliards de chansons dans hommage. Attends, vous êtes sérieux? Are you serious? Le gars, il est au paradis là-bas, hein, en train de danser bongolo bien con. Vous rentrez en studio. Hey, Daisio, tu nous manques. Oh, il y a quoi? Il y a quoi? Laissez le monsieur reposer en paix. Oh, Dieu, encore même la hommage va tuer. Il y a quoi? Laissez-le reposer en paix. De son vivant, il vous a dit, venez, on va se mettre ensemble pour travailler, vous avez refusé. C'est pas après sa mort, vous allez commencer à faire des conneries. Et laissez-le reposer en paix. Vous profitez de son nom pour chercher l'argent, mais Dieu va vous punir. Hein. Dieu va mal vous punir. Hein. Les gens qui prennent son décès pour aller chercher l'argent, Dieu va vous punir. Hein. Dieu va très mal vous punir. Hein. Vous allez partir aux enfers. Vol direct, sans escale, direct, fiat. Restez là. Les acteurs du coupé décalé, tout ce qui est chanteur, bien chanteuse, vous êtes où? Déjà, c'est Arafat qui vous faisait. C'est maintenant qu'on a compris le deal. C'est Arafat qui vous faisait. C'est Arafat qui vous piquait. Quand il vous pique, vous sortez chanson. Arafat n'est plus là-haut. Vous allez insulter qui? C'est qui votre sorcier? C'est qui votre démon? C'est qui le nouveau sorcier du coupé décalé? Il n'y a personne. Parce que le sorcier, là, d'après vous, il est parti. Bon, vous, là, vous faites quoi? What are you? You don't chanter maintenant? You prefer faire vidéo TikTok? Are you comédien? Do you comédien? Arrêtez ça. Arrêtez. Quand on a commencé notre truc là, chacun s'est mis dans son domaine de prédilection. Nous, on a commencé à faire vidéo drôle. Donc, on est devenu comédien. Vous avez commencé à chanter. Nous, on ne chantait pas. Vous laissez votre métier de chantation pour venir faire vidéo comme nous. Are you comédien? Do you comédien? Mais il y a quoi? Arrêtez! Vous ne chantez plus. Ça, c'est déplorable, c'est malheureux. Vous êtes où maintenant? Les acteurs du coupé de calais, what are you? I'm searching you. Because you don't view vous. I'm confused. Don't voir vous. Allez prendre les micros, chanter, sortez des concepts. Réanimer le coupé décalé. Oh, dit tout le monde est Zougloman. Tout le monde est Zougloman. Parce qu'il n'y a personne. Coupé décalé est vide, il n'y a personne. Jusqu'on écoute, on écoute maintenant les suspects 81, 95. Faut les voir. Mécon, hein. Mécon. Il n'y a personne. On va faire comment? On va se rabattre. Suspect 95. Et qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller écouter suspect 95. Voici quelqu'un qui est fort talentueux. Mais aujourd'hui là, tellement coupé des calais, vite même là, on cherche même les rappeurs, même pour aller s'accrocher un peu. Hein. Voici, ils peuvent nous faire danser un peu. Allez là, c'est Mekon qui prend. Tu m'aimes pas, Mekon. Tu salues de moi, Mekon. C'est quoi ça fonctionne? Parce qu'il n'y a personne pour nous donner la joie. Donc on va prendre Suspect 95, on va prendre les Ramba Junior, on va prendre les comment dire, les Kif No Beat, on va prendre les Hello, on va même Zouk. Zoukman, on va prendre. Il y a même Zouglou. Il faut nous voir. Nous, ce qui me fait mal, c'est que nous, les coupés de calais. Tellement, on n'a même pas chanson pour danser. On s'en danser. Mais quelle désolation. Faut nous voir maintenant. Nous, les coupés de calais. Avant, coupés de calais dans la boîte. Nous, on danse jusqu'à. Mais aujourd'hui, là, tellement, on gagne même plus piquiné des coupés de calais. Même là, on est obligé. C'est quoi? C'est grave. C'est malheureux quoi. Et on parle vous riez.
Non, mais c'est déplorable, c'est malheureux, quoi. C'est macabre, c'est une vraie pitié. La brosse astrologue dans un autre, ce que l'autre ferait parce que c'est bizarre. C'est ailleurs dans la France, je ne comprends pas. Parce que faut qu'on m'explique. Tu sais, on danse zouk. Zouk, zouk. Zouk, même on s'en fout. Zouké, moi, zouké. Zouké, moi. Et puis on zouké. Ah, mais on zouk fort. Parce que couper des calés là, on ne sait même pas mettre qui pour danser. Tellement même le couper des calés a régressé, on est obligé même d'aller mettre les vieilles chansons. Allez là, tu m'en force pas, on va se tuer même. Yeri, en force pas, on est quelqu'un, on va abuser de ça parce qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de concept. Zéro. Hein? Elou, aujourd'hui là, c'est la fin de qui oh? C'est qui ça? On est accroché, on est dedans, on va danser ça. Parce que c'est les seuls artistes du moment qui nous font vibrer un tant soit peu, un tout petit peu, et on apprécie. Mais à la base, c'est des rappeurs. C'est que si les rappeurs ont quitté le rap, de la rapation, rapata qui rapide, pour venir en couper des calais, c'est que c'est grave. Si même les zougloumen ont quitté le zouglou, pour venir en couper des calais, c'est que c'est grave. Si même les commencent à faire une chanson en couper des calais, c'est que c'est grave. C'est malheureux. Moment de fin. Les hypocrites qui se parlent aujourd'hui en disant « Ouais, Daichi, on t'aime, on est chinois et tout. » Ne vous inquiétez pas. Surtout les acteurs du coupé décalé, soyez tranquilles. Vous savez, le karma, il existe. On va tous mourir. Ça, c'est sûr et certain. Mais avant de mourir, comme j'ai l'habitude de le dire, « You chacha, you trouva, you assuma, you supporta. » Ce qui veut dire l'hypocrisie qui est dans ton corps, la haine qui est dans ton corps, la méchanceté qui est en toi, la haine qui est en toi, le sorcier qui est en toi, sera délivré au nom de Jésus avant que tu ne quittes cette terre. Parce que tout se paye ici-bas. C'est quoi le nom d'Arafat pour s'enrichir? Wallahi billahi, vous allez payer ça très cher. Et ceux qui font semblant d'être chinois, vous allez payer ça très cher. Soyez sûr de ça. Le mal se paye cash. Dans tout dans. Narine dans narine. Fin. Tout débat. Fin de dire ma vérité. Celui qui veut, il laisse. Je m'en fous. Je ne mange pas chez quelqu'un. Personne ne me nourrit. Personne ne paye ma connexion. Personne ne paye mon loyer. Personne ne paye mon carburant. Donc, j'ai parlé. J'ai dit mon mécontentement. Depuis un instant dans ma gorge. J'ai fait sortir un. Sur ce, portez-vous bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En ensemble, c'est la famille. Je vous aime. C'est le bravado. Natsuki bravado. L'empereur et roi vit du Japon. Celui qui m'aime, je l'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. C'est comment ça fonctionne? Et puis récemment, il a été nommé dans un concours moi-même. Je ne suis pas au courant. Bientôt, vous aurez le lien. Et puis bon, ceux qui veulent voter, ils votent. Ceux aussi qui vont voter aussi, bon, ils le connaissent. C'est qu'il est sûr, les votants seront votés. Voilà, parce que de toute façon, je n'ai pas besoin d'avoir un trophée pour montrer mon talent aux yeux du monde entier. Donc voilà. Dieu me trouve fort. Mes abonnés me trouvent fort. Donc, voilà. C'est quoi ça? Bonne fin d'après-midi à vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Amis, je vous aime, je vous kiffe. Et puis, à bientôt. C'était Bravador. Natsuki. L'empereur roi vu du Japon. Voilà. Bien qu'elle soit chinois dans l'âme, mais vous savez, le gouvernement doit évoluer. Doit avancer. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Ceux qui ont besoin de. Venez dans ma inbox. Je suis pas cher. Voilà. Bien, ciao, ciao tout le monde.